Ce que nous pouvons retenir déjà, c'est d'abord saluer ce partenariat qui vient d'un digne fils de Saint-Louis, quelqu'un qui a porté les maillots de l'AIC Carrefour. Mais également saluer la démarche innovatrice de l'AIC Carrefour Corniche Club à travers son président Amadou Fall et tous les autres acteurs qui ont contribué à pouvoir en tout cas nouer cette relation. L'objet du partenariat n'est pas seulement dans le domaine du sport. C'est vrai que le sport occupe la place centrale parce qu'en termes de visibilité, seul le sport peut donner à l'ACCESS toute la visibilité qu'il veut au niveau national et international. Mais également, le partenariat couvre le domaine de la santé. Nous allons mener des activités de sensibilisation, surtout en santé de reproduction. Mais également, le partenariat couvre le domaine environnemental. Des activités d'investissement humain et de reboisement seront organisées par l'AIC en partenariat avec le groupe ACCESS. Au-delà de ces deux domaines, il y a le domaine économique. Parce qu'actuellement, ce que nous constatons, c'est que les AIC ne font pas des activités génératrices de revenus. Ce qui est difficile pour un quartier, pour une localité, de mobiliser toutes les ressources, n'est-ce pas, pour permettre à un club de mener ses activités sportives. C'est la raison pour laquelle ACCESS a accepté de nous accompagner d'abord dans la formation des jeunes, n'est-ce pas, parce que pour créer une entreprise ou bien un GIE, il faut une bonne formation. Le groupe ACCESS est vraiment disposé à nous donner cette formation, mais également dans l'accompagnement, dans la recherche de fonds pour financer les différents projets. Donc, en définitive, aujourd'hui, c'est une innovation majeure pour le mouvement Nawetan au niveau national. Le groupe ACCESS, le PDG, oui, pas Maguette-Anne, mais de Corniche, du Dôme Corniche. Donc, si nous avons une initiative, nous avons un sponsor, nous avons un contrat, nous avons remercié aussi le groupe. Nous remercié l'équipe Cheikh Fall, mais le représentant, remercier le président, parce que nous avons aussi Nathan. Yombul buñ la jappaléwul rek duñ dem nak té dafa lacc nga am ay ressources yu bari pour mu mëna soti té li dafa nek li nga xamni moy moni dolel moni katanal moni mokay yombal pour ñu mëna atteindre suñu ay objectifs et inshallah dinañu je parle au nom de tous les joueurs et de l'entraîneur dinañ def le maximum pour mëna soré ci compétition bi dem ba finale départementale pour nous aussi, nous avons visibilité que nous voulons. ACCESS, le groupe ACCESS est une grande entreprise basée à Dakar, dirigée par M. Anne, le PDG. Nous exerçons depuis quelques années. Là-bas, nous avons ACCESS Voyage, ACCESS Américaine Informatique et ACCESS Mobilier. Nous sommes aussi dans le bâtiment. Par la grâce de Dieu, ça marche. Et M. Anne a décidé de venir ici, à Saint-Louis, sa ville natale, ouvrir un succursale dirigé par moi-même. Pratiquement, nous sommes là depuis un mois. Ici, nous avons ACCESS Voyage et ACCESS Américaine Informatique. L'ACCESS Voyage est dirigé par Mme Nya. Pour tous vos besoins en billetterie, tourisme et location de véhicules, etc. Et aussi, l'ACCESS Américaine Informatique, dirigé par moi-même. Ici, nous vendons des matériels informatiques, consommables informatiques, des fournitures de bureaux, des mobiliers de bureaux, des mobiliers de maison, etc.